halafu baada ya fanishi hao asili hao ngizo Faransa ngizo haruma hii mabara yote pia ra Marekani ra Azira ra Afrika na na Europa iji unruka ya wandu wenda ufanyi oho tajifu hao abungi diaspora ya komo ribuka ungi yo Marseille shamashilo iho na na asosiasyon ya ndahiloka hunu para o civic wewe de namna hiyo wende na hutahe mahutajio wende waono wa ndugu kaun wa heze mefere wa low ulaya wa wambia kana rejo jibi wa ndugu hamanda zinu zifanishie komor itongeza 2009 wa fanishia mjo wa mwando wa mimisioneri wa je waone e kweli entinga bu mahutajifu ya wandu wao yodi mana zindata zari wa swili bada wa haja waja wafanya diagnostik andala masuala ya huoni saka ima hlenda huvindu wa ladhimu zifanishie wa renge miji sita harumaye shesi wa shangazija wende na huuzisa zihabariza hao abangi harumwe sita yu wakauta hamili milidu wa hundana za exame za fanyishiha nge saila rika ufanya harumwe zisi wa mbali na mbali za hatu mwalina nzuwani ilirishi ndiru hundane likoli za satena dee manavoika uhava hainu ngizo nne mbili zilonga zija na nzima nzuwani na nzima mwali nge na nzima ya nyumeni ndio na ufanyishiha hunu mba zija ze promosyon ikawo zalawa mizu ngao wika mwashina ama wakome waisa ma watumizi misomo yao walina mwazi izelikoli zino hamande hina zamba ye masuala hawo ze fikira za ndisa rangu 2009 alafu 2010 ujata 2013 vakazi la madauzo ya huuzi sana hata onobora onroa hashirishani she formation ukweli ya ndisa 2013 ya bo 2013 hata jionde haba hii ndoriluona wanazioni ruwasomisao kirasmi harumaze likoli za hatu zino abenge hamande namna hiyo si usomisa mahamili e formation ibakisha mahamili babu mahawa mwando bukaula si ufanya ane general wu wabili rituhu para yun ane professionnel ulanda ulabu kwe mnashuni waingu utahasusu zihabari weka ndo anzo ya zifanya ya abu weka ndo anza rangalie nga sina promosyon buku itimizi umaha wa 2015 yode promosyon mwando weka wu itimizi hawa nazioni mengo minena wararu wanazioni mengo minena wararu wawu rikana uziro wa ukarishindiri wataratibishe wa hundane zihazi wafanyi shaha bahati ya mnyezi mungu ya rinikayo harimwe miongo minena wararu wawo shirina muija wa hundana hazi wekao mwa fanyao habaha ya bunga riombao kaya ribungu uza mbabi abunge uwa baki watu shinda hundana hazi habuko karjakana zinchida za mapesa ya ushindari wadungie rende na hufanya ya proje ya hayuni europeni kwa rupa FTP proje tapu ya la formasyo teknike profesionel wekao nge risaidia uiliri shinde wala wanazioni wa bakibala kutimizie proje wa hundanezi haziza hao nana uvoikao kwa ti harumweme uwabaki harumweme ngomine wala wa hundanezi hazi abungia karjoho shinda rambioka umudarilo nuunu kasina unazioni uvoikao wa hundanewe maisha hao hasibabu lumuhunu hazi wa usoma harumaze mefere ziliyo hunu kumutu uwoikao wa shindao wa shinda wa soma bi uvoikao makundi mbali mbali uvoikao wa sumesao harwa zikuliza hazi zilo na ngebabi ze raai za Adi Madi ikawo yeye ni director unokuwa anone sao hivi zinokozino zivirao atamshile mjimli sebabi baina za hiko manajimla Mohamed ikawo azone sabamu na zu ikawo ye director aonesa na mge ze fikra za director zaza hatu hamande heli mziju wao siu fanya hazindasine wana zijana wakomo warikao wa hundu bahatimbi kwa japaro njiale koli au wa njiale koli kwa jishinda wadunga emisomo ya he enseignement general iliri hunde namna ya wajuli ya shawiri uharumae maisha ya hawe ya maudu abaha ngasina wanazioni shirina warandaru ika uhanyi siha grupu mbili ngabo grupu boka unu mahanda kwa kandisa sihamba premier ane ngabo grupu ya vili boko unu mahanda kwa timizio ikawo hamba turazimu ane yavo ye grupu ya bilingi de sita ye grupu ya mandu ni ilo ne shirin heli rikawo fanya hazi si karirenge mafundi sha siu ringasina temu rikawo fanya hazi hizo hama sisi temuruko siu sumese haku haku ndele dima na hazi za upisi na hazi za usonya na hazi za ulelanku yavo heli rikao fanya hazi nga mina mwaname ikao uwe hazi haa ya hamba monitor ni funksiyo hae na ni defundi principal ya hawa na zioni wano ngeladhimu ya fanyeze kuru za hawa na zioni
alafu kanga bo parti bo koka tushinda ya ivembe hama upande hele di mau upande wa masonyo baada ya kufanya haza masonyo au si parafundi wa he domeni yu haja hafanya lera zilera henza he harme parti sisi ranzawi interveni amona zion ngapo ibarna maji jimla ikawe saifa nyongyo yavo ya bali ya umahakami ili ranzi le 19 septembro ranjia atarjeru honde le 31 mai rijo kawrenga vakansi alafu heni mwezi yavo shanga kwa mplodwi tan ya bali ya kaya semeni inu nga rusoma ungo fulani semeni inu nga rungo fulani mfano o siku ya hanegra njia septembro ya vurika usumeso watu watu ya namna mjibali yo neza shari ya zahele koli neza nungo ikawo iladhimwa wa zihumde wa harumusoni mwele koli avo bada natimize parti yo rijera lisaye parti ya he ulilaze mkuhu ndikawo usumesambabi tena uparti ya he ze transformation de produits agricoles mfano do hurenga ya mbe mbe ifanye konfituri hau fenesi hau limu hau vraba bada ratimizi yu rjari liria lisa mfano umvawa he emasonyo yani ngarenda uha hena mnarazi hau harma ya mproditan raya fisha uliko lera lera niko anazion hawa mando abo ze misomo pia ngo ilungo manama he kihaturi hea na premier ane ya remiza nivo ya vunga rjoka watu chumuka kwa tujo hanziha kwa tujo urungu wa shizungu kwa jihoka kwa japuronjali kwa ila uwanji ya sha kwa jametri zinamna hanziha na usoma donku wabuma hawa mando zenongo pia ngozi lungo shauma hawa vili sivya rutundu wanazioni rijuwa ye uka ungo shinda adunge karnojwa risharutu isi mdu ya adunge ndongo za dima nuka na uzishinda uka tujua shasi utsa uziza emna shionia emana iyo uka unga rune uka ungo shinda ya fanye alafu mahawararu ya mungu ndo haruma mahawararu wapu tulazim ane de specialite ikawo hiyo avo yone domene voko ungu jotimizi hiyo rimdunzize ili ya hunrehazi ya fanya haruma ya domene voko ndo ya ahele ronangu wapu toma amana ribuwa ile koli 2012 ya wana zioni urilona wapu tulazim ane ya waha wawa kaya kumene wararu wa waswilindu warandaru wasa wa pashia wasa ya warudi cho warandaru wa waswili dejanga sina mzima wakao hesahare ngwa hazini ufanyo hazi sinimashongu yamba jini ngavo mriho ya buwa pulaye alafu hamdenge ngumlizo yesu irveyeze nkuhuzahe na buo kajako juwa hatasha apartiri ya buyasome ya hunu haba hainu tena radiri mdenge fundi ngusumesuwa nwa lo premier ane oharumaye yenao ya he avikulture uliokarenge intervenamdo ajishari mdenge yeye yede ufanyi ze kuru za avikulture le floramolo nilo nukaya hata hava sayi komori raha kwa jamaruha oharuma umsomo unuwabao formation profesionel sha uwinji wa huwa na wakumori wajuhanza shandi ansenyuma generali hawakati kao msomo keti yoka ansanyuma generali keti yoka ansanyuma tekniki sha umuhimu do hujo wasu ili uharume maisha ya hao doku wendo shora morangu nilo nilo abunge tijopara o wanama wanashe wangu wa wanama mbani hangu manasi kartu tauza ngarenga uranzi mahakumi na mitanu honda maha shirina mitanu hene mrubuka ungu onokaya ngebure sha ya jaringarie ilia ya alfude shehe ya hunde mhono wahazi yao dandara radunga zifikira za director asumesao hakwa MFR ya kuwa amfikiri mauri fikira mauri zinu za urenga wanumbali na mbali mwatsahu wachi uwanduanu baada wikao ritanganyiha hee mijiyo yontipi ya wikao ndo wanduenda na ulashawiru kangela dhimuze likoli zikai wanduwa jawakanti haurafikira wa mwijani wanduweka wa jama missionaire ya kadi chargeur de mission au niveau hei osia indian ili rifikiriani ee ladhimu renge wanazioni hindini wanduwende na utimizuka geladhimu renge wanazioni ra wanawashe ra wanaume wajuka kadiri ya maha 15 honda maha 25 rekae harudili koli rekae kajaparo njia likoli abunge ndo handa wafikiana maha 15 honda 25 ra mwanamme ra mwanamshe mujojwa ya jiho likoli ikao ndo risomisa umhono haziun haswa ndo umhono wa hazi wa hele dima wekao iyo ndo beramu ya hele koli ndo husomisa hele dima shakabati tangu zihundi hao washindao wafanya hazi hile lazimu hili mu wahukumu hao ngabumba tambu babi hawekao hamadeliri juwao sontipia hunukumori
sibona kana muhono hazi ilati nrongo ya kweli iyo de taburi hundao na kunga bwana zioni waelewa kana bala inushwa ya hao ani anuma tarajio waona kana narendera sombe angajuri balari mwe maisha ngabo wa haja sharaha kwa jeleo kazi nrongo juwa balari mwe maisha itsongeza wakati wa juwa warudi rijoro mbili waeleza warudi wa wareje iyo de taburi rirema waba ha do utwe leo kana zinrongo za maana ranzi ngai kirio hata jihundi nari mingi hapa omba uno Mohamed ikao wae da hentua harba formation Mohamed ikao hentua harba formation atuenda na uonesa za hentikra iheli ya pangao iwanazia na wano atawashiri wakiwana damu maana usikwa leo ye mitri yai MFR wa haja mada juu yuno mbili na mbili zifika za hii kwa mato emisomo ikawondo ifanya harumwa elekolio suso mesa hazi wanazioni wanamwana ikawo waruha lekoli kwa jashinda wa wasuli huli harumwa emisomo hao jimla abenge si huwa renge alijari wasomesa ilmu ya hazi mhono hazi hili watitobakisha bure abenge hena mna hiyo suso mesa joho suso mesa rongo za uhusu upiha cuisine ngabo patisserie ngabo restauration ngabo ndongozi njizi ngabo ledi mahaku haku abenge ze daraja hizo pia zoso mesewa wanazoni wao ili watijihunde ukango wabahi wake wandu wa ushinda wajirenge wa zamana wajirenge azma yonde hazi kao yofanyiwa haruma elekoli ya Nkurani Yasini watuparo henda elekoli si warenga shati hawa inji manange lazimu urifanye induko paro ane generali abange lazimu wafanye alfabetizasyon na ndongoza zindu wa jina ili watu jua husoma mba hindu kwa hanu mana husoma hiyo ngabo husoma hedi hinu ngabo ndongo ikaonge lazimu wanzihe shele ikamfanu wadiwaza wajua reje wajua wangali yeba hanu leka kwa tuja husoma hata abo mkini hawa ritari mwa problemu na abo informasyon yoka mahamili bae asherika lifanya mahadisi zon ndongo ikawo wanwele koli inu uja hayo yo yanguha Faransa abenge oo miongoni mwe mikataba wakawarinika angelazimu renge wanazoni woko wakale koli warudi shasisi atawarinika tranche waramba uka angelazimu mnashweni ujoka mahakume na mitano wasili mahashiri na mitano shasisi si ujua rione ke mnashweni ngena yanzima yahe ngena jitihadi haku hajijua rondondo na formasyon si ujua renge hata mnashweni ilo namba hamengo miraru ili nuyavo avorishi ambabe mipaka hili warinika shaheli namba hiyo abonga sina bambu ya wanazoni woko kwa japaro viragi kodi hata emakatiri lo nao yanu nga sina grupu ndraru ngabu walo premier ane waongo wa shirini ngabu walo dozemu ane waongo wa kumena waidi ngabu walo trozemu ane woko iyo ane woko hahitila fiza kazaparani hao dingo niho leza kasibabu ratushinda rawa wasulisha sha omuhawabili ikawe sautimizi so yu lazimu riwarenge riwadungi hata wahundre hazi haini mru ya hundre hazi esa yu riwachidide sha haitilafi ya kajiri kajashinda rawafaini ya nguwa kwa kimangawa parwa insertion ya bo yonde mana rilu nao hata haba sainu nguwa wanazoni mfukare mana wakashenda ngabu wahunda na haitilafi uliho wanawashe ngabu walolwa ngabu wapashia abu wabakisha walole kola bahangwa mfukare Shangari hisi ukabanu huwa sili wa mwiso wa mwaha me nge lazimu riwatiye harumwase hazi ili hali mzima ajihisi ukange za manawahi heli rona wangabu natija ukanda aninga abu hotopi hemba hindu uyo watoto wakayabo wakaupi heli wa nanuwa zaza hao shaba hawa njeza ilmu zaidi ngabu boko waruha wajafanya stage harumwa restora hunu moroni ngabu wabahatisha abu warengu hazini harumwae omuha wabili abenge wanwa hele dimando kwa haba hawa waisa wajipanga haini daraja husu dimango wajochinda waifanye riparofanya bone sota ilo RTC wanruwaono wanazono hata haba warumwaze hazito nguwaendeleao ili washinde wajirenge ya azima washinde wake mazwamana wa hawa wa oranzi jeje ike wanruwaono kwa ujimlifu ye makunduwano ihali mweshiu izo jie baina we director na hedu anwano wa indisao zelekoli atabla inatija zani mparanonyu nguo mwema kapsita ambu mapara na hizo pia amade namna hiyo mwendo usoni wa helikoli hamadu mahalani pia yo kiribakirwa na tambu mbavi shasi usana haina sabajire tambu rehonda na taratibu inumbo urari ndi usoni
Omwendo hatu yantu kahina likoli na sina wandu wararu wekao si wapara mapermana nda wala wahe teknik wakoso mesa shangabo e biro wakao ikanting endisao yu ipangishiha hawala madhamana waho wana duwazazi na nuwa baba abange wakatika ngabo mnatabu da wala wandu wakao ndu wandu hazi wahe likoli manabano haina waloo harima likoli banu wa renga wezi taratibu za hao da ila likoli uyo shatiti ndasi shasi ujwari saidi lana ange wakati ujiri mnatambu habuku karjashi ndara hunda na ze farudhi za hao ande alamaliwa ya ladhimori wanike yokiriva kam nangozo wa heze hazi ndele yao shayo kaizi yao ndele yao mingoni maze nunguri wa shukuri yao manari vitimu na wakati ratuka na nafasi ya ushindari wanike nuwa ndele ya ila misomu hataina sarjuhu uparisa ange amrengu fursa inu ni shukuri ya la wanruwa hazi wa hatu madirektori na nema monitori nema metres de maison ukaya izo ngo wafanya zilingana na wao njema maana wao umisa ukana ngo una hamu ya ukanenti hatu endelee usoni na nao wanazioni wa hatu na wana wa hatu wa hundani mhono wa hazi abange wao dimbata buko yori parisa dekari nde kartushi na rundi nafasi maana taji ndio hapa ha karjashi ndara hunda na msaada wa serikali wakaunga ushindo uri himilia ilirishinde ndisa za habari zinu na hiyo fursa tena ndio eleza ihazirifanya uvanu ukweli ni hazi ya serikali ya wangi ladhimu ike sisi ya serikali wari himilia nondondo ilirishinde rifanye imana yenge shindo ifanye tabari zonti pia angwisa wakarajo kana manarikai shahu mahalani pia woyoti kumori shahu hata ufaransa wikaundu za nguha we serikali kwa tushinda wazifanya pia shahu wa shinda wa himilia na nanti majira ni wikawe serikali ngwa wanika umvu nobora wazingare lefu mfulinu abonge ya mrengosho bashi ni uharumema udhamana wa serikali ukana wa shinde wa wazihimilie manazi ndezembi wazindao ndokana babuhemu huno hazi mashababi wa hundani hazi yondeze na wuka uzo tundu dailo haina wakati Sami wazaki nyume kibu mingu mudishio Ewache, meka na mirati Ewache, mimifunga Emwenea Kachichi, kachura na ekachiwano Emwenea, kachichi, kachura na ekachiwano Mbangonzo ya mwekeze Mie mchizi wajitosha Mno ya tijo timbuliwa Ekari utuwa mbananya Wala kata somanga Na kubengi tangabiho ya zao katu zijua Kajuti make mtosha ya bago mula ulio Wazo ya zime majera Zianie unyamiza kala uli ya umbiro Nenge ya umbwa haeche ijo kambevu ya hae Ewate, meka na mina simie Ewate, msibifuka eche Emwenea, emwenea Kachichi Kachulwa na ekachiwano Emwenea Kachichi Kachulwa na ekachiwano Eka benze majirani Emwenea Uwasijona hodira Emwenea Uwasimte hadisidi Emwenea Naidu
kudo manzani Samba katina haki Yondonga natu yae Baharie na hasira Na keni yonkaso inu Kaone hamarengweni Chovona hanyani kaji wabao za kitsi Kaji walomzani Ekantini amanani ya ujira mabavuni Habaki mlo adengoni mkaye che duniani Ewaje, nekana minazimie Ewaje, zimifunae Emwenea, emwenea Kajiji, kachulana e kajiwano Kajiji, kachulana e kajiwano Ekanji ya msirini Wala kende mazihoni Kajiwalo msibani Wala kende itimani Kene tali nini Konjo abadja irani Tsena zehi jowaye Msende kawe tsindu zae Uchirendo na etiso Sanyo uso kumbeba nongo ni teso Utsambe ngori dabiso Wawe wawe Ye waje Nekana minazimie Ye waje Msimifuka Ye mwenea Ye mwenea Kachichi Kachulwana e kachuwana Kachulwana e kachua Utsumba mwanzani wae Ono ya chauka yeche Yasilo le atiloze Waje wa mgafilishe Sijua zani kejae Ni wane ladha yae Ujoni wane sadoku Natende ya mponese Ye waje Nekana Ewaje, msimifunga Emwenea, emwenea Kachichi, kachulana e kachua Emwenea, emwenea Kachichi, kachulana e kachua Emwenea, emwenea Kachichi, kachulana e kachua Emwenea, emwenea Kajulana e kajiwano Merci.
Moyo wangu inakwenda mbio, tabasamu lako maua, mwendo wako na maringo inanipeleka ulingoni. Moyo wangu simama, nimepata kipenzi, mimi kwako nimefika. Oh la la la, kwa mwingine sitaki. Oh ya ya ya, nikikuona kama nakuona. Wakio, wakio. You want it a million, natakuwa wewe tu. I will choose you anytime. Usiende mbali na mimi, milele mimi na wewe. Usiende mbali na mimi. Oh yeah, yeah. Usiende mbali na mimi, milele mimi na wewe. Usiende mbali na mimi. Kila ukuwa mihura na ibaruha kuzibavuni, iroho yangu yoniruta. Yeah. Namuna mwendu waho mavarini, darubadi ikaho shitwani. Nisi ubenza kiasi ya utosha, matu ya huyu vaga ukuri mwezi. Yeah. Mungu auba uzuri na ujuzi, kweli sibira ukana nyongo. Oh, oh. Nambi ya kustahanu fanyi trongo, teko yonti bariki wa muja. Usiende mbali na mimi, milele mimi na wewe. Usiende mbali na mimi. Oh yeah, yeah. Usiende mbali na mimi, milele mimi na wewe. Usiende mbali na mimi. Usiende mbali na mimi. I need your love. Sinimbabati nikiwa oh yeah. Mtongo tindia uzia ujana wami. Chéri sans toi, je sombre dans la folie. Nari fenzane, nari fenzane, nara fikane. Nari fenzane, oh yeah, nara fikane. Nari fenzane, information, documentaire, magazine, divertissement, direct sur ORTC.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Le plaisir de vous retrouver en ce moment pour cette édition. Signature ce jeudi à Moroni d'une convention entre l'Union des Comores et la République populaire de Chine pour la construction d'un port en eau profonde à Moroni. Des nouvelles mesures prises par l'ONEC pour la sécurisation des examens et concours. Tels sont les principaux titres de cette édition. Le président de la République, Azali Assoumani, accompagné d'une forte délégation, est de retour à Moroni après un voyage de travail à Kigali, au Rwanda. Il participait aux 18e session extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements convoquée par le président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame. Au cours de la rencontre, il a été question d'adopter des instruments juridiques pour la zone de libre-échange continentale africaine. Compte rendu de Fatima Ahmada. C'est le vice-président chargé du ministère de l'Agriculture, Moustadrouane Abdou, qui a accueilli le chef de l'État. Il avait assuré son intérim en son absence. Azali Assoumani est arrivé de Kigali, où il a participé au 30e sommet de l'Union africaine sur la zone de libre-échange. Le président de la République a signé au même titre que ses homologues africains l'acte portant sur cette zone de libre-échange. Lors de cette rencontre de haut niveau, les débats ont été axés sur la manière de briser les barrières en vue d'impulser le développement. La zone de libre-échange est un débat récurrent dans le pays. Le directeur des douanes et l'ensemble de la délégation comorienne en sont conscients. Il y a un défi à relever pour combler le vide qui s'est recreusé par l'application de la décision de Kigali. Personne n'ignore que les recettes de l'État dépendent en majorité des transactions douanières. La République populaire de Chine va construire un nouveau port à Moroni. La convention commerciale a été signée ce jeudi au ministère des Transports. Reportage de Kassim Souleyman et Mustapha Aboubakar, compte rendu de Samira Abdul Wahid. C'est une signature d'un contrat commercial qui va permettre aux Comores d'avoir un deuxième port en eau profonde en Gazidja après Mutsamudu. C'est un projet d'une valeur de 164 millions de dollars, soit 57 milliards de francs comoriens. Le projet va durer 2 ans et avec cette extension, les capacités de cette infrastructure vont s'accroître. Ça rentre dans la politique tracée par le chef de l'État. Nous, au niveau du ministère, c'est faire une continuité d'une politique tracée par le chef de l'État pour réaliser les objectifs qui ont été assignés dans une feuille de route qui est, comme vous le savez, assez large pour ramener le pays à un développement harmonieux d'ici 2030. Je sais que c'est une infrastructure très très importante dans notre pays. Le pays arrivera à contenir toutes les actions maritime en développant ces secteurs, mais en donnant aussi au pays des moyens financiers colossaux parce que c'est un des plus. À part le port de Mutsamudu, nous aurons un port aussi en eau profonde à la Grande Comore et bientôt, pourquoi pas, un port normal à Moéli. Cette société chinoise est présente à l'île Maurice, où elle a réalisé plusieurs projets de grande envergure. Le monde entier a célébré ce jeudi la Journée internationale de l'eau. Le thème retenu cette année est la réponse dans la nature. Et pourtant, cette journée ne change rien puisque la pénurie d'eau persiste aux Comores, surtout à Moroni. Nos reporters se sont rendus sur place pour un aperçu de cette situation. Suivez les commentaires des Aria Madi Kassim sur les images de Mohamed Abdul Kader. Les habitants de la région sud de Moroni vivent une pénurie d'eau. Dans les bornes fontaines, l'eau arrive au compte-gouttes occasionnellement. L'État aussi devrait collaborer avec la communauté diaspora que c'était en France afin d'investir en partenariat aussi avec les ONG. C'est exactement comme ça que
la rareté d'eau à Moroni soit diminuée. Au-dessus de notre région, donc l'eau est capable de monter jusqu'à là où ils habitent. Donc tout le monde est obligé de venir se ravitailler là où se trouve l'eau. Donc ce qui fait que ces gens-là ont des problèmes. Mais les quartiers qui ont le réseau, les quartiers sud, ils ont l'eau tous les jours. Actuellement, nous avons des extensions dans ces nouveaux quartiers. C'est le cas du quartier où se trouve le Grand Stade. On vient de faire 2 km de réseau. Il y a le réseau qui se trouve au niveau du nouveau marché d'Iconi. On est en train de faire une extension pour les alimenter. Il y a des études en cours pour créer des châteaux d'eau, pour construire des châteaux d'eau au niveau de la coulée nord et au niveau du site de Sahani pour améliorer la desserte de l'eau dans la ville. Avec ce manque d'eau, la société Mamoué est appelée à satisfaire sa clientèle en augmentant sa capacité dans l'adduction d'eau dans les différentes régions. Le directeur général de la Mamoué Société de l'eau et de l'électricité, en collaboration avec les responsables des différents services, a organisé ce mercredi à Moroni une cérémonie de reconnaissance à l'endroit des techniciens de la centre dite Sambouni. Reportage d'Ahmed Abdallah Ousseini et Mlemengou Yassine Abdillahi. Plus d'une centaine d'agents, experts internationaux et cadres ont pris part à cette cérémonie de reconnaissance, une façon de prioriser le travail remarquable fourni par les agents des centrales pour la production d'électricité 24/24. Il a été aussi question de mettre le personnel en condition pour plus d'efficacité. C'est avec une grande fierté que je vous présente l'une des équipes qui, grâce à leurs efforts, du graisseur au chef de centrale, en passant par les mécaniciens, les électriciens, tous ont contribué à la révision des trois groupes électrogènes de la centrale d'Istanbouni sans l'assistance des techniciens étrangers, comme cela a toujours été d'usage. Preuve que la technicité et compétence sont bien à la Mamoué et raison pour laquelle je vous demande plus d'implication. Avec le fonds d'Abu Dhabi, la centrale d'Istanbouni sera bientôt modernisée et renforcée de puissance. Le travail que vous avez accompli dans les délais prévus nous démontre que vous avez l'amour du travail et cela mérite une reconnaissance à inscrire sur votre parcours professionnel. Dans son allocution, le vice-président en charge de l'énergie a souligné la volonté manifestée par les autorités pour que la Mamoué puisse répondre aux besoins quotidiens de la population. Aujourd'hui, les techniciens comme rien et ceux qui sont derrière, cela veut dire les soudeurs, cela veut dire ceux qui aujourd'hui touchent l'huile des graisseurs, nous ont montré que nous pouvons compter sur eux, comme ça a été dit ici, sans pour autant chercher une expertise extérieure lorsqu'il s'agit de faire le travail de titan qui est celui de revoir les machines. Vous l'avez fait, c'est un précédent. Vous l'avez fait sans apport extérieur. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cela veut dire que nous pouvons continuer à le faire. Et nous sommes ici présents pour vous remercier. Je me souviens lorsque Caterpillar est venu et lorsqu'on voulait commencer les travaux de la centrale de la Mamoué, Bernard m'a dit, ne vous en faites pas. Les techniciens comoriens sont d'une grande qualité et sûrement ils pourront suivre ce que nous sommes en train de faire ensemble et vous verrez que le travail se fera avec nous. Ils étaient quatre, plus l'ensemble des techniciens comme on vient. Pour faire face à une demande croissante de consommation d'électricité, la Mamoué, avec ses différents partenaires, a mis en place des nouvelles directives pour un service de qualité et un personnel qualifié.
Le directeur général de l'ONEC, Office national des examens et concours, Abdou Ali Abdallah, a tenu à informer la population des nouvelles mesures de sécurisation des examens nationaux. Celles-ci visent le bon déroulement ainsi que la réussite des candidats. Reportage de Saïd Ibrahim et Ibrahim Kababo, compte rendu d'Abdallah Omar. Ces dernières années, de nombreuses anomalies ont été enregistrées aux examens nationaux, une situation qui dévalorise l'enseignement et ternit l'image du pays. C'est pourquoi la Direction générale de l'ONEC, Office national des examens et concours, a pris de nouvelles mesures pour sécuriser ces examens. En croire le directeur général de l'ONEC, des sanctions seront prises à tout fraudeur. Cette commission-là consiste donc à sanctionner tout auteur de fraude ou tentative de fraude. Et ça, ça peut être soit les responsables, ça peut être les surveillants, ceux qui interrogent, mais aussi et surtout les enfants, les élèves. Donc à l'issue de cette commission, il y a eu donc des sanctions qui sont tombées. Et ces sanctions-là, ça peut aller jusqu'à 5 ans pour les responsables de ne pas participer à des examens. Mais pour le cas des élèves, c'est uniquement une année. Donc nous avons fait que jusque-là, les élèves qui étaient donc actés dans des procès-verbaux et qu'on a vu qu'ils ont été, disons, auteurs de fraude, donc ils avaient au moins une année à ne pas faire les examens. Nous appelons les parents, les responsables des établissements et les élèves eux-mêmes de se conscientiser, de prendre conscience que ça c'est une affaire qui entache notre pays. Dois-je rappeler que même ceux qui sont à l'extérieur, il y a certains de nos enfants qui sont partis à l'extérieur avec des faux diplômes et ça c'est grave. Donc j'en appelle à la population à ce que nous nous tenons de concert pour essayer donc de lutter contre ces fraudes-là. Les responsables des établissements scolaires ont beaucoup apprécié cette initiative. Ils ont également affiché leur volonté d'accompagner l'ONEC afin de valoriser l'enseignement. On essaye encore d'éviter un petit peu encore ceux qui ont l'habitude de passer les examens avec la question de la fraude. Nous, les enseignants, on prenne nos responsabilités, surtout accepter que moi j'ai une très grande responsabilité. Pourquoi ? Parce que je prépare l'avenir du pays. Tout le monde doit accorder une importance particulière à l'enseignement et l'éducation, qui sont les meilleurs moyens de réussite. Ils jouent également un rôle capital pour le développement. C'était le récit des Aria Madi Kassim. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, les résultats des examens du premier trimestre au niveau des écoles publiques ne sont pas affichés. Cette situation inquiète bien entendu les élèves et les enseignants. Reportage de Hania Hamadi. Aucun élève des écoles primaires et secondaires des établissements publics ne connaît les résultats des examens du premier trimestre alors qu'ils ont déjà entamé leurs examens du deuxième trimestre. Au lycée Saïd Mohamed Cheikh de Moroni, les professeurs nous confirment ce qui est à l'origine de ce retard. On n'a pas rempli les bulletins car nous avons un mois et un arriéré de l'année passée qui n'a pas été payé. Donc, le syndicat nous a dit de ne pas remplir les bulletins du premier trimestre à l'attente du gouvernement. Pour l'intersyndical, la cause est due au non-paiement des indemnités du mois de mai de l'année scolaire 2016-2017. Les élèves ne sont pas jugés par rapport aux notes, ils seront jugés par rapport à leurs connaissances. Et les connaissances, nous les donnons parce que nous enseignons. Nous enseignons, aucun professeur ne se soustrait à son devoir. Non, on vient, on enseigne, n'est-ce pas ? On évalue, on garde les notes avec nous. Et à la fin, effectivement, nous allons, l'indemnité est donnée, on va effectivement remplir les bulletins, et ce dans un bref délai. Les candidats à l'examen du baccalauréat session 2018 sont inquiets pour le retard. Jusqu'à maintenant, nous avons fait le premier semestre, donc on ne nous a pas encore donné les résultats. Donc ce qui est inquiet pour nous les élèves, nous sommes entrés dans le deuxième semestre sans que nous avons vu les résultats du premier semestre, ce qui inquiète pour tous les élèves. D'ici peu, l'année scolaire 2017-2018 prend fin, raison pour laquelle l'entente de toutes les parties prenantes est vive sollicitée pour que cette année soit une réussite
avec des résultats escomptés. Autre volet de l'actualité, le syndicat national des agences de voyage a convié la presse ce mercredi à Moroni. La question du communiqué rendu public par la Commission nationale du HEDJE au menu de la rencontre. Reportage de Kassim Souleymana et Mustapha Aboubakar, récit de Mounira Youssouf. Le syndicat des agences de voyage pour le pèlerinage SNAV se sont effectivement retrouvés ce mercredi à Moroni pour élever leur voix par rapport au communiqué rendu public par l'agence pour le Hajj et le Umra. À leur avis, chaque structure doit jouer son rôle dans cette partition, sinon les choses ne vont pas se dérouler comme il se doit. C'est pour cette raison que le dialogue doit prévaloir. C'est une structure administrative. Et puis tout ce qui est technique revient aux agences de voyage et tourisme. Tout simplement respecter le décret du chef de l'État. C'est-à-dire les agences de voyage doivent être agréées pour l'organisation du Hajj. Et l'organisation du Hajj, c'est tout un package. Nous demandons simplement qu'il y ait le dialogue et le respect des textes. Il faut faire attention puisque le décret du chef de l'État, à force de loi, nul n'a le droit d'aller à l'encontre, à contre-courant du décret du chef de l'État. L'agence pour le Hajj tient avant tout à faire la part des choses. Chaque agence doit être en règle par rapport à l'État en s'acquittant des droits. Dois-je aussi souligner qu'ils n'ont jamais payé ni la taxe sur les salaires, ni l'IRPP ont décidé avec le gouvernement de limiter les dégâts parce que nous avons constaté que même ceux qui n'ont pas payé la patente, ils attendent au moment du pèlerinage pour participer au voyage du pèlerinage. En tout cas, les autorités actuelles font tout pour éviter les scandales à répétition qui ont émaillé les pèlerinages des années passées. Quant à l'Agence nationale du Hajj, il a tenu à éclairer certains points sur les modalités de s'inscrire. Écoutons le directeur adjoint au micro de Kassim Souleymane. C'est lui qui veut faire le pèlerinage. On a dit qu'il va faire l'inscription lui-même ici. Ou bien il envoie à quelqu'un, il y a une de ses parents, par exemple un frère qui est en France ou bien une sœur. Il est en France ou bien il est ici aux Comores, mais il est âgé, on ne va pas prendre les mamans, les amener ici. Non, il peut envoyer quelqu'un, faire l'inscription, ça ce n'est rien. Après, il va avoir l'agence qu'il veut, mais attention, l'agence qui est permis, qui a eu l'agrément de l'agence nationale, c'est l'agence qui nous a remis leur patente, quitus de l'Union et l'agrément. À ce moment-là, on sait que ça c'est une agence qui est agréée par l'État, donc on l'accepte. Jusqu'alors, on a donné le communiqué, on les a informés il y a à peine une semaine et demie. On leur a donné 2 semaines parce que la dernière date, c'est le 30 mars. À partir du 30 mars, on va voir les agences qui ont remis leurs papiers. Et on compte, ce sont les agences qu'on va travailler avec eux. Le maire de la commune de Nyumakomo, Nemwa Saïd, en partenariat avec le consultant de l'Union européenne, a organisé ce mercredi à Ouziwani, dans la région d'Imbajini, ouest, une séance de travail pour un suivi des activités réalisées dans le domaine de l'apiculture. Reportage d'Ahmed Abdallah Ousseini et Ibrahim Kababo. Cet atelier d'une journée va permettre aux participants de se professionnaliser beaucoup plus dans les techniques de l'apiculture, mais aussi partager leur savoir-faire en matière de production pour la promotion de leur métier. Selon ce que nous avons appris des formateurs ou bien du formateur de l'expert international, bon, il a formé 10 formateurs et ces 10 formateurs sont venus former la population. Et nous souhaitons que ce projet nous apporte beaucoup de choses. Car d'abord, une fois un milieu ou une zone quelconque, on élève des abeilles. Ces abeilles-là peuvent
peuvent aider à la production des différentes cultures de la région. Ça va me servir moi-même et ça va servir la région, la population de notre communauté. Okay. Selon monsieur le formateur international, selon ses explications, j'ai trouvé que c'est un projet très costaud, c'est un projet qui a beaucoup d'intérêts, qu'on va bénéficier d'une manière générale. Les organisateurs ont mis l'accent sur la nécessité d'un tel projet. On va leur expliquer que chacun a une ruche, et quand on a la ruche, ce n'est pas la fin. Il faut qu'il puisse coloniser sa ruche, et une fois la ruche est colonisée, il faut qu'on puisse quand même nourrir ces ruches, ces abeilles qui habitent ces ruches. Ça veut dire quoi? Les gens qui sont là, on leur explique la suite. La suite, c'est quoi? C'est que nous avons une coopérative, et nous allons mettre les gens qui ont des terrains limitrophes, qui ont des terrains voisins, on va les mettre ensemble. S'il y a trois personnes qui ont des terrains les uns à côté des autres, on va les mettre ensemble et on va faire des monocultures. C'est-à-dire, s'il y a trois personnes là, ils vont décider eux-mêmes. Ici, on peut cultiver telle chose. Et là, ils se mettront à trois pour cultiver ces produits. Y a un résultat qui consiste à disposer d'une population qui est informée sur le bien fondé de l'apiculture et avoir quelques administrés de la commune qui sont intéressés à la pratique de l'apiculture. L'Union européenne, à travers le projet de formation professionnelle et technique, ne cesse d'accompagner les agriculteurs dans des projets socio-économiques pour le développement du secteur agricole. Voilà l'espoir de cette actualité. Volcan Club de Moroni a éprouvé d'énormes difficultés pour venir à bout d'aventure de Wela de Mitsamihouli. Il ne s'est imposé que sur le score de 2-1 et du coup, il empoche les 3 points de la victoire. Reportage de Andy Moua Fouad, compte rendu d'Ahmed Zalahi Mouassi. Début comme s'il en pleuvait, des retournements de situation est une lutte plus serrée pour le titre. Le championnat des Comores de football, des équipes de première division, tient toutes ses promesses cette saison de 2017-2018. Volcan Club de Moroni, fidèle à sa réputation, a réussi une opération de 2-1 face à Aventure de Wela de Mitsamihouli. Cette courte victoire de Volcan Club de Moroni lui permet de caracoler en tête de classement. C'est l'objectif d'ailleurs que s'est fixé le staff technique. Ce qui est important, c'est les 3 points. Je pense que parmi les rares équipes qui ont fait un carton plein, on a 6 points sur 6 points. Donc pour le moment, je ne fais que me réjouir et dire à mes joueurs de faire plus d'efforts parce que au début, il y avait un peu de rythme, mais à la fin, ça a baissé un peu. Je ne sais pas s'ils sous-estimaient l'équipe adverse, mais moi j'ai dit grâce à Dieu on a emporté. Autre résultat à retenir dans le cadre de la deuxième journée du championnat des Comores, Elan Club de Mitsoudje a réussi un carton de 8-3 devant Étoile du Sud de Fombouni. Union sportive de Mbeni a battu Étoile polaire de Nyumamilima par 2-1. Étoile de Comores de Nyumadzaha Bambao a brisé le rêve de la JACM de Mitsoudje par 2-1. ACJ Divé et Ngaya Club d'Emde ont fait match nul, 1-1. Enfants des Comores de Vouvouni et Union sportive de Zilmadjou se sont séparés sur un score identique de 1-1. Le rappel des titres avant de boucler définitivement cette édition. Signature ce jeudi à Moroni d'une convention entre l'Union des Comores et la République populaire de Chine pour la construction d'un port en eau profonde à Moroni. Des nouvelles mesures prises par l'ONEC pour la sécurisation des examens et concours. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur le RTC. Au revoir et à la prochaine.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا